La victime était alcoolisée au moment du décès. Aïe, ça sent l'accident. Il y a également des traces de traumatisme à l'arrière du crâne. Eh ben voilà! Une bonne matraque, une batte de baseball, un manche de pioche, et là on a un bon vieux meurtre! Capitaine K a effectivement une façon assez particulière de procéder, mais je suis sûr qu'il a une idée derrière la tête et qu'il cherche à temporiser. Vous savez quoi, Delorme? Je crois qu'on devrait prendre une petite semaine de congé, genre thalasso. Vous, en maillot de bain, en train de faire des sudoku pendant 8 jours, j'y crois moyen. K1, un flic qui n'est pas du genre à se laisser démonter. Vendredi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio description.